Nous sommes jeudi soir, il est 18h tout pile, vous êtes sur 01 TV, nous sommes en direct, c'est 01 Live Hebdo. Et aujourd'hui, au lendemain de la sortie du Galaxy S8, ou plus précisément des annonces du Galaxy S8, on vous propose un 01 Live spécial Samsung. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Oui, on s'est dit qu'on allait tout casser ce soir. Alors tout. On va abandonner nos rendez-vous habituels, vous savez, l'actualité, le Zoom Actu de Delphine, la partie labo, etc. Tout ça, hop là, du balai. C'est pas très gentil. Hein. Non, mais tout revient la semaine prochaine, rassurez-vous. Et on ne va parler que du Galaxy S8, parce que vous avez des questions, nous on a plein de choses à vous dire, on l'a eu entre les mains, on a déjà réfléchi à pas mal de trucs, et nous avons donc à nos côtés notre équipe de choc. Alors bien sûr, Stéphanie Molinier, bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie Molinier qui est notre spécialiste smartphone, vous le savez ici à 01net, et qui a son mot à dire concernant ces Galaxy S8, et ouais. Puis Raphaël Grabier aussi. Salut à vous deux. J'ajoute que avec Stéphanie, on verra tout à l'heure un petit peu les différences entre le S8 et le S7, parce que vous êtes nombreux à vous poser ces questions-là, et avec le S7 Edge, surtout si vous l'avez acheté récemment. Oui, ce que je veux dire. Oui, c'est arrivé à quelques-uns d'entre nous hein, de l'acheter il y a quelques semaines. Oui, c'est normal. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Cela dit, bon, le Galaxy S7 est quand même moins cher que le Galaxy S8, donc forcément, on a fait une bonne affaire. On est en direct, les amis. Ce qu'il y a d'important, c'est que vous allez pouvoir poser dès maintenant toutes vos questions à Stéphanie, à Raphaël, à Jérôme et à moi-même. On était hier à New York pour découvrir ce Galaxy S8. On l'a ici. On est, je pense qu'il n'y en a que quelques exemplaires qui circulent sur Paris actuellement. Et nous en avons deux. On a le Galaxy S8 normal et le Galaxy S8 Plus. Donc vos questions à la fois sur YouTube, sur Facebook Live, mais aussi sur Twitter avec le hashtag 01Live. On est connecté. On sélectionnera quelques-unes de vos questions. On y répondra. Ouais, c'est très rare. Il y a très peu de rédaction qui est à cette heure-ci, à ce jour. Ouais, quand tu dis c'est très rare, ce n'est pas parce qu'on répond aux questions. Parce que ça faisait bizarre d'enchaîner ma réflexion avec c'est très rare. En fait, non, c'est vrai que c'est très rare. Je répondais à ta question d'avant. C'est ça. C'est très rare d'avoir aujourd'hui ces téléphones, mais on les a sur 01net TV. La question, comme chaque semaine, ça par contre, on n'a rien changé. C'est la question 01net Orange du jour. Oui, pour recueillir votre avis concernant cette question d'actualité, elle porte sur le Galaxy S8, bien entendu. Êtes-vous intéressé par le Galaxy S8? Dites-le nous. Vous allez sur www.01net.com et vous votez oui ou non. On fera le point tout à l'heure. Bon, alors allez-y, hein, c'est sur 01net.com et 01nettv.com. Raphaël Grabli, on était donc à New York, est rentré ce matin. On arrive directement de New York. Voilà, ça se voit pas trop, hein, vous avez vu, grâce à la magie du maquillage, au logiciel de photomontage, on est presque beau. Et donc voilà, on a eu cette chance hein, de pouvoir voir ces Galaxy S8, de les toucher, de les manipuler. On les a ici sur ce plateau. C'est quand même un événement. Hein. Images de la keynote d'hier donc à New York qui s'est déroulée au Lincoln Center, donc en plein centre de Manhattan. Bon, c'est un spectacle comme on est habitué. Il n'y a pas de grosses surprises sur le spectacle. Alors c'est vrai que bon, il faut quand même rappeler qu'on savait quand même beaucoup de choses sur ce S8. Il y a beaucoup de choses qui avaient fuité. Beaucoup de fuites. Alors ça a fait aussi monter la sauce. Hein, donc pour Samsung, c'était pas forcément une mauvaise chose. L'événement lui-même, il a été assez classique, mais par contre, effectivement. Ce qui était intéressant, c'était de mettre la main sur les smartphones derrière. Et on a pu s'amuser vraiment longuement, j'ai envie de dire, avec le S8. Bon, s'il y a un mot, je dirais waouh quand même, parce que je crois que c'est vraiment ce que voulait faire Samsung, hein, c'est de faire un effet waouh pour définitivement tourner la page du Note 7, nous faire oublier cette... On va en parler, tiens, on en reparlera bien sûr un petit après. Peu du Note 7 dans un instant. Mais voilà, nous faire passer le cap de cette mésaventure et en mettre plein la vue, littéralement. Et pas que plein la vue, j'ai trouvé, parce qu'effectivement, visuellement, quand on le voit, déjà, on se dit, OK, là, il y a quelque chose qui a été fait. Attends, pour ceux qui sortiraient de leur grotte, qui sont courants de rien, si on résumait vite fait, bien fait, les 3-4 principales specs. Alors, les principales, c'est l'écran borderless, donc l'écran sans bord, qui est immense, mais avec un encombrement minimal. Et puis là-dessus, on va garder tout ce qui a fait le succès de la gamme Galaxy S, c'est-à-dire des appareils évidemment très puissants, très bons en photo évidemment, et avec un design. Mais la nouveauté, c'est ce design vraiment premium et en plus cet écran
presque bord à bord. Edge, il faut le souligner aussi, c'est-à-dire que cette année, il n'y a plus de Samsung haut de gamme à écran plat. C'est fini. Ouais. Ils avaient entamé ça il y a 2 ans avec le S6 Edge. Samsung a réussi à trouver son identité. Voilà, maintenant, les Samsung haut de gamme, c'est de l'incurvé. Voilà, pour avoir du téléphone normal, il faut se tourner vers la série DA, hein, donc les A3, les A5, les A7. La série DA, exactement, ou encore le S7 hein, qui reste, hein, qui fait partie de la gamme aussi. Hein. On va parler des prix aussi parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur les prix. Oui. Il faut comprendre un petit peu comment tout ça est fait et que le S7 reste aussi une partie intégrante de la gamme. Alors il y a énormément de questions. Priorité à toutes vos questions bien sûr, hein, parce que voilà, on pourra en parler pendant des heures, mais l'idée c'est vraiment de répondre à quelques-unes de vos questions. Moi j'en ai pas mal, Jérôme, à la fois sur Twitter mais sur YouTube aussi, puisqu'on est en direct sur YouTube. Allez, vas-y, tu fais YouTube, moi je fais Facebook. Allez, ça va, ça roule. Et puis entre-temps, je fais Twitter aussi. C'est compliqué. Mais on va y arriver. Il y a Noémie qui surveille tout ça aussi. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la suppression du bouton Home. Alors c'est pas tout à fait une suppression, mais c'est vrai que c'est quand même assez perturbant. Ouais. On avait depuis toujours l'habitude d'avoir un bouton physique pour revenir au menu principal du téléphone. Là, ça y est, Samsung tire un trait sur ce bouton. Oui, alors c'est pas tant la suppression du bouton Home, je dirais, c'est peut-être parce que le bouton Home, finalement, du coup, il devient virtuel, comme on l'a sur des dizaines et des centaines de smartphones Android avec le bouton principal, le bouton retour, le bouton multitâche. Donc, alors, un peu comme ce que fait Apple, Samsung a fait un bouton Home virtuel, mais avec un retour haptique, c'est-à-dire on a une petite vibration. Donc, on a quand même l'impression d'appuyer sur un vrai bouton, mais la vraie conséquence, et qui est peut-être plus fâcheuse pour certains, c'est du coup le capteur d'empreinte digitale, qui, lui, n'est plus à l'avant et qui passe à l'arrière. Et là, à la limite, j'ai envie de dire, c'est un choix qui est beaucoup plus fort Et plus risqué. Et plus risqué, surtout. Parce que le bouton... Alors, on expliquera après que c'est pas très grave, parce que, bon, Samsung a pensé à tout ça. Il y a des alternatives. Mais c'est vrai que si on a l'habitude de déverrouiller son téléphone avec le doigt, c'est vrai qu'avec les Galaxy, on appuyait sur le devant du téléphone. Là, ça ne marche plus. Ouais. Il faut appuyer à l'arrière. Il y a un petit capteur qui est ici. On vous le montrera tout à l'heure de manière assez précise. Il est ici à côté du capteur photo. Et en plus, c'est pas terrible parce que tu es là, tu veux appuyer sur le truc, tu mets tes doigts sur l'appareil photo, tu prends une photo. Tu mets tes doigts gras sur la photo, sur l'objectif. Et puis quand on le prend en main, en fait, aussi, c'est qu'il est sur un côté. Alors qu'il y a beaucoup de smartphones qui le mettent en dessous ou au-dessus, enfin plutôt en dessous du capteur photo, mais au milieu. Mais là, il est sur le côté. Il est très haut en plus. Ça fait, non seulement il est haut, mais en plus, il est sur un côté. Ça fait que moi, par exemple, qui suis gaucher, il n'est pas très facile à atteindre. Il est plus facile à atteindre, par exemple, pour un droitier. Enfin, donc je te rassure, c'est pas mieux pour un droitier. Moi, ça me fait appuyer sur les boutons c'est pas très instinctif. Bon, attendez, là, on est en train de trouver le premier point faible du Galaxy S8. Un point faible, il faudra voir aussi à l'usage. Là, on n'a pas encore eu le temps de le tester. Évidemment, on va le tester en profondeur, en longueur, etc. Oui, donc, c'est vrai qu'on ne peut pas encore avancer de chiffres sûrs et fiables, notamment sur l'autonomie de la batterie. Non, alors on connaît la capacité de la batterie, c'est 3000 mAh et 3500 mAh. Grosso modo, c'est les mêmes capacités que ce qu'on avait l'année dernière sur les S7 et S7 Edge, qui étaient des smartphones très autonomes et très endurants. Après, on a une surface d'affichage qui est beaucoup plus importante. Et ce n'est peut-être pas anodin, ça. C'est pas anodin. Ça peut consommer plus. Ça peut consommer plus. Après, il y a encore un autre équilibre qui se fait avec le processeur qui est censé être mieux optimisé, etc. En fait, il y a tellement de paramètres rentrent en compte qu'on se dit, bon, il faudra faire aussi bien que le S7, c'est-à-dire être un smartphone très endurant. Il ne faudra pas être déçu. Il était, c'était le top du top au niveau autonomie, le top Stéphanie, du top, plus le S7 Edge, parce qu'il avait une plus grosse batterie. Mais oui, ce sont de très bons smartphones. Alors, je ne dis pas que ce sont les meilleurs en autonomie. On arrive toujours à trouver un petit peu mieux. Mais aussi bons sur tous les plans, l'autonomie, la réactivité, la photo, oui, ils sont numéro 1 et numéro 2 de notre top 10. Oui, et quand on dit « ils sont », c'est toujours d'actualité, puisque le S7 va rester commercialisé. Ils sont premier et deuxième depuis leur commercialisation en mars 2016. Très bien. Ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que tu as comme question sur Facebook, Jérôme ? Alors, en ce qui concerne la reconnaissance de l'iris, parce qu'on parle du capteur photo, mais donc il y a la possibilité de... De déverrouiller. En fait, il y a deux façons à l'avant de le déverrouiller. Donc, d'abord, il y a l'empreinte digitale, on en a parlé à l'arrière. Voilà. Donc, Samsung complète à l'avant avec deux nouveautés. Une nouveauté qu'on avait déjà vue d'ailleurs sur le Note 7, c'était la reconnaissance par iris, donc avec un capteur infrarouge. C'est mieux que sur le Note 7. Sur le alors, Note 7, on... voilà, la question c'est, est-ce que ça marche bien ? Voilà, alors parce justement, sur le Note 7, la réponse était non. Franchement, je trouvais que ça marchait pas très bien, que c'était pas forcément très fiable, que dans d'excellentes conditions, il n'y arrivait pas, alors qu'il y arrivait dans des mauvaises conditions.
Donc j'avais du mal à comprendre voilà, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Là, il y a du mieux, c'est plus rapide. Donc là encore, il faudra voir sur beaucoup, beaucoup d'essais sur la durée si c'est, ça peut pas devenir irritant, parce que s'il y a ne serait-ce qu'un loupé sur 10 au quotidien, ça devient irritant. Donc il va falloir voir sur, le, sur la durée. Et l'autre ajout, et ça c'est une nouveauté par contre, c'est la reconnaissance faciale. Mmh. Alors là, il sert juste de l'appareil photo. Ça, je l'ai aussi testé, c'est très efficace. Alors, Samsung précise que c'est moins sécurisé, parce que si on a un jumeau, ça va fonctionner. Ah ouais. Le jumeau va pouvoir... Si on met une photo... Alors, j'ai essayé tout à l'heure. J'ai imprimé mon visage en format A4. Je me suis dit, ah mais je me suis dit, me dites pas qu'on va pouvoir pirater ce S8 avec une feuille de papier quand même. Et les gens qui passaient derrière te disaient, ça va, tu t'aimes, Raphaël. Voilà, ça faisait un peu mégalo. Mais non, ça a pas fonctionné. Donc heureusement, on peut pas déverrouiller le smartphone avec une photo. Il faudrait essayer avec une vidéo peut-être, mais il y a une histoire de voilà de proportion, de 3D, etc. De profondeur. Voilà, il y a pas, c'est pas que de la simple 2D. Ouais, ouais. Donc c'est quand même assez sécurisé. Et, juste, et c'est très fiable. Alors par contre, sur les, j'ai pu m'amuser avec, on va dire, pendant une heure ou deux, c'est quand même très fiable, c'est très Donc, sympa. Donc l'iris, c'est très fiable ? Alors non, la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ouais. D'accord. L'iris, je l'ai moins essayé pour le moment, je voulais vraiment me concentrer sur la reconnaissance faciale. Parce que hier, on posait la question au responsable de Samsung qui disait que en fait, la reconnaissance à l'iris était encore plus sécurisée que l'empreinte digitale. C'est dingue hein, quand même. Parce qu'en fait, c'est deux jumeaux sécurisé. Peuvent avoir la même empreinte digitale alors que l'iris... C'est pas possible. Ils ont un iris différent. C'est dingue. Oui, c'est très. Non, mais c'est vrai que l'iris c'est très sécurisé, mais je trouvais que c'était pas assez fiable sur le Note 7. Ouais. Il va falloir vraiment qu'il se soit amélioré là-dessus. Mm. Par contre, si vous n'avez pas forcément des dossiers très sensibles, que vous vouliez juste bloquer votre smartphone au bureau, etc. Ouais. La reconnaissance faciale, j'ai trouvé ça pour le moment. Je trouve ça très bien foutu, très fiable. Zeronet TV est en direct ce soir comme chaque jeudi avec un spécial Galaxy S8. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur zeronettv.com, sur Facebook Live aussi, avec des questions, puisque voilà, on répond à toutes vos questions ce soir. Vous êtes très nombreux à nous demander la différence entre le S8 et le S8 Plus. Eh bien regardez, c'est là, hein. Il n'y a pas 36 solutions. On voit bien là, alors je vais essayer de le tenir comme ça pour qu'on voit mieux. Hop. La différence, c'est vraiment la taille de l'écran. C'est la taille de l'écran. Et c'est la seule différence, parce qu'au niveau spec, c'est la même chose. Hein. Alors, on aurait pu et la batterie est un peu plus puissante. Ouais, mais a priori, en toute logique, celle du grand modèle a dû être conçue pour que l'autonomie soit similaire. Ça peut être un peu supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il aura une meilleure autonomie. Enfin, pas forcément, à confirmer. Pas forcément, peut-être. Mais ça arrive souvent quand même que les phablettes, avec des grosses batteries, arrivent... à faire des résultats un petit peu plus importants que les smartphones classiques. C'est pas inintéressant. Mais par contre, la question, elle est pertinente parce que c'est aussi un pari de, entre guillemets, ne rien mettre en plus sur la version grand format. Apple, en face, ils ont choisi de faire une vraie différence entre l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus avec une offre photo qui est différente. Là, non, Samsung, c'est strictement le même appareil. Alors oui, là, on va commencer à... On va commencer à entrer dans le dur. Ouais. Avec la concurrence, on a porté pas mal de téléphones. Ouais, tu as porté le G6 aussi. Hein. Voilà, de LG, parce que c'est vraiment... Voilà, il faut parler du G6 quand même, parce que c'est aussi là-dessus. Et il a été présenté au Mobile World Congress, donc il y a un mois. LG a misé là aussi sur le grand écran. Pareil, après, la différence... c'est que déjà les bordures sont un peu plus fines chez Samsung, qu'il y a ce côté borderless qui au niveau design pour moi est quand même honnêtement supérieur bon, visuellement. Après ça peut être une question de goût, hein, mais personnellement je trouve que c'est plutôt supérieur. Et il y a un dernier atout pour Samsung, c'est la dalle AMOLED. Voilà, LG on est encore sur de l'UPS qui est de bonne qualité, hein, mais la AMOLED on va dire que ça a quand même tout son sens sur des formats comme ça. Raph, est-ce que tu peux les rapprocher un petit peu de la caméra que Noémie tient pour qu'on puisse bien les voir, parce que là on les voit un peu sur dessous. Alors, on se rend pas trop compte. Ouais. On va vous faire un petit comparatif. On peut avec faire deux par deux à la limite. Oui. J'ai envie de dire, parce que... Comme Gérard. Non, ça, ok, c'est pas... d'accord. Et pour vous, celle-là, je vous l'offre. Pardonnez-lui, c'est le décalage horaire. Oui, mais c'est pas 6 heures hein, quand même. Hein. C'est pas évident. Et puis, le G6 n'a pas d'écran incurvé. La différence. Oui, sur c'est le design, un smartphone traditionnel, le G6. Très, enfin, borderless, on est d'accord. Mais le point commun des deux appareils, c'est, on ne l'a pas encore trop évoqué, c'est ce nouveau format qui fait son apparition, qui est un format tout en longueur. Oui, qui est 18,5 neuvième. Alors 18,5 neuvième pour le S8 et 18 neuvième pour le LG. C'est assez surprenant quand on prend l'appareil en main pour la première fois. C'est pas désagréable. C'est confortable parce que l'appareil n'est pas très large, donc ça tient bien en main. En revanche, c'est très long.
dans une poche, c'est en longueur. Longueur. On a une question sur Twitter. On parlait de la batterie tout à l'heure. Est-ce que cette grosse innovation, toute cette ébullition autour du S8, question de Mika, est-ce que ce n'est pas pour nous faire oublier le drame du Galaxy Note 7? Bah si, hein, mais on les comprend en même temps. Oui, évidemment. Bien sûr, en même temps, le S8 était prévu quand même depuis... Oui, voilà, oui, le S8 il devait arriver, le S7... Mais bon, c'est vrai qu'en termes de communication, en termes d'image de marque, etc., c'est quand même... Ça va être, ils ont intérêt à ne pas se rater cette fois-ci. Hein. Tiens, oui, je vous propose d'écouter d'ailleurs, on a posé la question à un responsable de chez Samsung France, c'est Guillaume Berlemont, le directeur marketing, donc par rapport à ce fâcheux épisode du Galaxy Note 7. Regardez sa réponse. Pour beaucoup de monde, je ne vais pas dire que c'est oublié, parce qu'on n'oublie pas, c'est là. Mais je pense qu'on a rassuré tout le monde en janvier déjà, en annonçant que les résultats des expertises ont été très très clairs. On a identifié ce qui s'était passé. On a mis en place tous les contrôles de sécurité nécessaires pour que ce genre d'événements malheureux ne se reproduise plus. Et aujourd'hui, on est sûr de notre fait, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, on a un nouveau processus, notamment sur la batterie, qui s'appelle le 8-point battery check, en anglais, puisque là-bas, ils ne travaillent pas en français. Mais ça permet de contrôler beaucoup plus de points et d'être au-delà des standards, des normes de contrôle qualité du marché. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire mieux. Voilà, donc on sent que vraiment, ils ont quand même pris ça au sérieux. Et donc, ce que nous dit Guillaume Berlemont à l'instant, c'est que normalement, il n'y aura pas de problème avec la batterie du S8. Mais même pour avoir un petit peu discuté avec tous les responsables de Samsung en off, ils prennent ça avec beaucoup d'humilité. Ils acceptent vraiment la critique et ils se rendent compte que ça a été quand même assez grave. Mm-hmm. Et ça a permis à Samsung même de grandir. Voilà, il y aura des contrôles qualité. Un mal pour un bien, voilà, des contrôles qualité supplémentaires. Et voilà, ça a été un électrochoc chez Samsung qui, visiblement, a été plutôt positif. Alors même s'ils ont perdu un petit peu d'argent avec ce Galaxy Note 7, mais bon, voilà. Ouais. On sent que Samsung est en train de se renouveler. Il est 18h17, on fait un petit tour du côté de la question 0net Orange, comme chaque semaine, François. Oui. Question d'actualité, êtes-vous intéressé par ce Galaxy S8? Eh bien, oui, à 59%. Voilà, c'est non 41%, donc il y a véritablement un intérêt pour ce produit. Ça ne veut pas dire forcément que les gens qui répondent oui, on l'intention tous l'acheter, hein, mais on ne peut pas rester indifférent. C'est clair. Continuez, vous votez 01nettv.com ou 01net.com et vos questions, bien évidemment, en temps réel. Tiens, j'en ai une de question. Oui, vas-y. Est-il compatible avec la 5G? Avec la 5G. Alors non. Faudrait déjà qu'elle existe. Non, 5G. Mais bon, attendez, la question n'est pas absurde, elle n'existe pas, mais on en parle beaucoup. Il est 4G catégorie 16, voilà. c'est le maximum de ce qui peut exister aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le processeur intègre un modem 1 gigabit. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut télécharger à hauteur de 1 gigabit par seconde. Alors, si le réseau est c'est compatible, énorme. Le processeur est capable de le faire. On en est très loin. Très loin. En France, malheureusement, on est à 300 mégas. Voilà, on en a encore là. Par contre, il est en gigabit aussi en Wi-Fi. Donc là, par contre, c'est pas là, mal. Ça peut le faire. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, parce qu'on parle du design, etc., mais en termes de hardware, ce smartphone, et c'est toujours le cas avec les Samsung haut de gamme. Enfin, avec les Galaxy haut de gamme, c'est qu'ils intègrent toujours le meilleur de la technologie du moment. On ne l'a pas dit, mais c'est le premier téléphone Bluetooth 5.0. Oui, voilà. Les alors, amateurs de... Voilà, on expliquera peut-être tout à l'heure ce que ça apporte. Disons-le, ça apporte quoi en fait? Alors, ça apporte Parce que tu as fait une thèse en Bluetootherie. Hein, exactement. J'ai d'abord un stage en pâtisserie, ensuite une thèse en Bluetootherie. J'ai une boutique, la Bluetootherie, qui se retrouve à Paris. Le Bluetooth 5.0 qui a été d'ailleurs officialisé fin d'année, donc c'est très récent, et Samsung l'intègre déjà. C'est un Bluetooth qui va avoir 4 fois plus de portée. C'est-à-dire qu'en théorie, on peut aller jusqu'à 400 mètres de portée pour le Bluetooth, alors qu'aujourd'hui, on est maxi à, je crois, 100 mètres. On explose les débits. Les débits vont être beaucoup plus élevés. Et meilleure qualité sonore, a priori, meilleure qualité audio. Eh bien non, parce que finalement, on n'a pas encore un protocole avec les casques Bluetooth pour améliorer la qualité du son. Mais en revanche, ça va venir concurrencer le Wi-Fi. Le temps de latence a été baissé et là ça va t'intéresser parce que toi tu es fan de maisons connectées. Oui. Le Bluetooth 5.0 va apporter énormément de choses pour piloter les objets connectés à l'avenir. Voilà. C'est très bien. Et puis en plus, on reste toujours sur du low energy. Donc c'est un Bluetooth qui va consommer peu d'énergie, moins que le Wi-Fi. Donc ça peut être une alternative. Je crois qu'il y a une et je pense que aussi le Bluetooth va concurrencer le Wi-Fi. Et on peut y connecter deux devices audio, c'est pas ça?
Je crois, hein, non ? Oui, je pense que oui, on peut faire ça. Exactement. Mais encore faut-il que les casques et les enceintes soient compatibles. On sort une... Ça peut être un sujet vraiment à part entière, c'est combien y a-t-il aujourd'hui d'appareils compatibles Bluetooth 5.0 ? Aucun, enfin, je pense aucun. Mais sans doute des appareils Samsung là qui viennent tout juste de sortir ou qui sont sur le point de sortir, mais ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que donc ce 5.0, les dernières puces réseau 4G, Wi-Fi, ça va arriver. C'est-à-dire qu'on pourra, avec le même smartphone, deux personnes pourront écouter en même temps de la musique avec deux paires d'oreillettes sans fil. C'est ça. Ou deux casques sans fil. Si ça n'existe pas aujourd'hui, on a déjà le plaisir d'avoir un smartphone qui sera compatible avec toutes ces technologies. Justement, dans cette même veine, entre guillemets, il y a la compatibilité HDR aussi, c'est pareil. C'est, donc pour la vidéo. Pour la vidéo. Mmh. Voilà, donc Samsung en fait veut faire des smartphones qui vont être entre guillemets paré pour les 2-3 prochaines années. Le HDR c'est pareil, ça peut être très sympa. Pour le moment il y a très peu de contenu, ça va sûrement arriver. C'est marrant parce que c'est un peu le contraire d'Apple finalement. C'est-à-dire que les iPhones n'ont pas toujours le top de la technologie parce qu'il y a toujours ce discours d'Apple de dire mais nous on met que ce qui est vraiment utile et que ce qui éprouvé. Est éprouvé. Ouais, voilà, ça. On ne veut pas de décevoir, donc il faut que ça marche, il faut que l'usage soit vraiment sûr et certain. Et Samsung c'est un peu différent, c'est on vous met ce qu'il y a de mieux. Bon alors après parfois il peut y avoir quelques mauvaises surprises loupés, et parfois des très bonnes surprises bien entendu. Mais oui, ces deux stratégies qui sont complémentaires je trouve. Effectivement, Apple, voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'a priori tout ce qu'il y aura fonctionnera très bien. Samsung, il y a plus de prise de risque, il y a un côté un peu plus geek aussi peut-être. Ouais. Voilà, et il y a des choses qui restent, mais c'est aussi comme ça qu'on innove et qu'on crée des nouveaux formats, parce que Samsung avait pris des risques avec le Note et a finalement quand même juste changé entre guillemets le monde des smartphones en imposant des nouveaux formats. Et moi je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de refaire un peu la même chose, parce que justement pour revenir à ce qu'on a devant les yeux là, le Samsung Galaxy S8 et l'iPhone 7 Plus, on voit mal ensuite, on les voit mal en tout cas retourner en arrière, nous resservir des écrans à nouveau avec des bandes noires en haut et en bas. Ça paraît compliqué, donc là c'est, on va dire que c'est un peu la marche de l'histoire entre guillemets que Samsung entame et qui sera certainement suivi, qui a déjà été même précédé par LG d'ailleurs j'ai envie de dire, mais qui le fait voilà, de façon peut-être un petit peu plus magistrale et qui va être suivi aussi, on espère, par Apple. Je ne sais pas si on peut voir à l'image. Oui. Alors, peut-être la comparaison entre les... Alors, je vais le déverrouiller. Précisons quand même que Samsung n'est pas le créateur de cette tendance. C'est lui qui va vraiment l'imposer au restant des fabricants. Ouais. Hein, parce que maintenant... C'est plutôt LG Non, du tout. Xiaomi, c'est en 2014-2015, il y avait une société, je crois qu'elle s'appelle Sharp, qui avait sorti déjà un écran sans bord. Mais on parle pas de la préhistoire non plus. Mais oui, mais ils avaient sorti un écran vraiment sans bord. Donc il y a déjà eu des tests. On a encore plein de choses à dire. Il y a les accessoires dont il faudrait qu'on parle. Il y a Alors François va absolument je pense que ça c'est important. Et alors je précise pourquoi je montre le Galaxy S8 et l'iPhone 7 Plus. A priori on pourrait dire non, il faudrait montrer le S8 Plus. Mais le S8 il a une diagonale de 5,8 pouces et le l'iPhone à droite. Voilà, et l'iPhone 7 Plus, il a une diagonale de 5,5. Donc c'est-à-dire que la diagonale ici, elle est même plus importante qu'à gauche. Et là, vous vous dites, oh my god. Et quand vous voyez la différence d'encombrement... Alors, il y a un peu de reflet, mais on voit bien quand même. Hein. Voilà. On a quand même l'impression à gauche que c'est quand même beaucoup plus mastoc qu'à droite. Et là, on se dit qu'Apple, alors même si Apple ressortait quelque chose d'assez similaire, il en vendrait des palettes, il n'y a pas de souci là-dessus. mais parce que c'est des super smartphones, c'est vrai. Mais on se dit quand même qu'il faut que ça évolue forcément vers des écrans. Non, mais plus surtout que là, on a l'impression d'avoir plusieurs années d'écart. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a un choc générationnel. Ouais. Et même à la limite, je vais montrer à côté du S7 Edge, qui jusqu'à il y a une semaine était un des smartphones aussi les plus jolis du marché et qui prend même quand même un coup de vieux, quoi. À côté, voilà, ça prend un coup de vieux. Il est très joli évidemment, mais voilà, on sent qu'il y a un saut générationnel qui est fait avec notamment les barres en plastique, les barres en haut et en bas qui sont beaucoup plus importantes.
Ah bah oui, non, mais voilà, exactement. On voit la différence et par rapport à l'affichage, qui est, je rappelle, à gauche, est moins important. Mmh. Bon, donc voilà. Il faut qu'on parle encore des accessoires, des couleurs, du prix. On a des questions à propos de l'accessoire qui permet de transformer le smartphone en PC. On va parler dans un instant. Mais d'abord, peut-être un mot sur la photo quand même. C'est hyper important toujours. Ah bah, la photo, si vous avez aimé le S7, vous aimerez le S8. Okay, voilà. Non, mais c'est vrai. C'est En fait, rien de plus. Rien de plus. Samsung n'a pas voulu, je pense, diluer son message. Voilà, c'était tout pour l'écran cette année. Mm-hmm. La photo, on verra plus tard. Mais l'avantage quand on est Samsung et qu'on a fabriqué un smartphone qui est actuellement le meilleur smartphone en photo du marché avec l'iPhone, selon en tout cas nos tests, c'est juste le meilleur smartphone du marché. A priori, on se dit qu'on ne prend pas de risque en n'allant pas plus loin. Après, c'est aussi se priver de tous ceux qui sont gourmands des doubles capteurs, c'est vrai, qu'on a notamment, alors justement chez LG. Ah, ça, alors, c'est le mode selfie avec les petites oreilles de la La différence quand même, si sur le S8, c'est le capteur en façade qui passe à 8 mégapixels au lieu de 5. Voilà, c'est vrai. C'est pas mal. C'est sympa. Pour les selfies, c'est vrai que c'est sympa. Mais par contre, l'offre en photo, voilà, en face, on a LG, je disais, qui est peut-être un peu moins waouh sur l'écran, même si c'est déjà quand même pas mal du tout, mais qui a une offre en photo complémentaire avec un ultra grand angle. Et chez Huawei, par exemple, alors qu'il y a un design beaucoup plus classique, même s'il est très réussi, mais avec un capteur noir et blanc. Donc voilà, c'est une stratégie. On reste sur du capteur, très bon capteur photo, mais un seul capteur. À tester, bien sûr, évidemment, hein, dans les jours qui viennent. Juste une petite question concernant, tu parlais des accessoires, on parle beaucoup, on a parlé durant la présentation du cadeau que fait Samsung avec le Galaxy S8, c'est un casque AKG. Ouais. Il faut savoir que Samsung a récemment racheté Harman, qui est, vous savez, le grand fabricant de produits, d'enceintes, de casques, etc. Ils ont Harman, ils ont AKG, ils ont JBL. Donc voilà, c'est l'intégration donc d'un casque AKG. Est-ce qu'il est sans fil, ce casque-là? Non, là, je crois qu'il est filaire. Il est filaire. Ah oui, il est filaire. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, on avait des questions d'internautes qui nous demandaient si c'était pas justement un casque Bluetooth 5.0 qui était livré avec le téléphone. Non, ça arrivera bientôt. Parce que pour tout vous dire, on n'a pas eu les boîtes définitives avec tout le packaging définitif, mais je pense que c'est un filaire. Et puis François, à quoi aurait servi cette prise jack qu'ils ont maintenue sur le S8? C'est vrai. Mais c'est vrai, il fallait bien qu'elle serve encore à quelque chose. Tu as tout à fait raison, Stéphane. Alors les accessoires, on ne va pas les détailler parce qu'en plus on vous a préparé des petites vidéos que vous pourrez aller voir sur Zéronet TV. Ouais. Mais regarde, on a déjà la petite caméra 360 qui est complètement neuve. Il y avait déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier avec le S7, ils avaient lancé la boule. C'est ça. Et là, c'est une boule qui est plus petite avec une... Ah pardon. Elle est vraiment neuve, il y a encore l'étiquette. Ah oui, fallait pas l'enlever. Ben non, fallait pas l'enlever. Là voilà. Et elle est faite pour et on peut streamer en live en 360. Et ça pourrait peut-être contribuer à démocratiser l'usage de la vidéo 360. Enfin, c'est un accessoire assez rigolo qui coûtera, vous vous en souvenez, 249. Alors, 249. Elle coûte moins cher que la précédente. Oui, qui était à 349. À 300. Ouais. Le paradoxe, c'est que en fait, les capteurs ont moins de pixels que la précédente. Je crois qu'avant, on était à 16 mégapixels de mémoire. Là, on passe à 8. C'est pas terrible, c'est pas beaucoup quand même. Oui, mais pour de la 4K, ça suffit, parce qu'avec des capteurs de 8 mégapixels, tu fais tu montes en définition énormément. Mais en fait, ils ont fait ce choix pour avoir des qualités d'image meilleures en basse luminosité. C'était le gros reproche qu'on pouvait faire à la précédente. Et là, en ayant moins de pixels, on aura plus de luminosité, même dans les scènes sombres. Comme sur le S7, ce qu'ils avaient fait sur la partie photo du S7. Tout à fait. Finalement. Et l'autre particularité de cette nouvelle Gear 360, c'est qu'on peut streamer en direct. En direct. Voilà, ça cool. C'est sympa aussi. Ouais. Il y a un autre on essaiera de le faire un de ces jours. Oui. Ouais, faut là, pour tout vous dire, je ne suis pas arrivé à appairer la caméra et le Galaxy S8. Bon, il y a cet accessoire qui permet de transformer le smartphone en ordi, mais on ne va pas s'étendre. On vous a préparé une petite vidéo sur le sujet. À propos des coloris, parce que donc il sera disponible ce très joli smartphone de luxe en 3 couleurs en France. En France, ouais. Mais il existe d'autres couleurs. Oui, alors en France. Tu viens des couleurs en France? Oui. Alors les noms, par contre, me demandez pas les noms parce que c'est pas possible. Oui, ils sont allés chercher des trucs. Voilà, pour faire simple, il y a une version noire, une version grise, une version gold. La version gold qu'on n'aura pas en France pour le moment, en tout cas. Voilà. Une version, alors si ça c'est orchidée, qui est d'ailleurs celle-ci d'ailleurs, la version orchidée qui est un espèce de gris violet. Moi je trouve personnellement c'est ma préférée, je la trouve hyper réussie cette alors celle-là couleur. Elle sortira en France. Celle-là elle sortira en France. Et après il y a une autre version que je trouvais très jolie mais qui n'arrivera pas en France, c'est une version un peu bleue.
bleu gris métallisé qui était très sympa elle aussi. Est très jolie effectivement. On n'aura pas, mais l'orchidée est très sympa. Et puis à mon avis, d'autres couleurs arriveront. Si vous le voulez en bleu, allez l'acheter ailleurs en fait. Oui, en vérifiant. Oui, voilà. Après, il y a d'autres couleurs qui vont arriver. Hein. Le A7, il y avait du rose. Il y a eu le bleu corail qui était arrivé du Note 7 aussi. Mais voilà, il y aura sûrement d'autres couleurs qui arriveront. En tout cas, pour le moment, effectivement, il y a trois couleurs sans grande prise de risque. Mais bon, c'est du sûr, quoi. Pas mal de questions sur Twitter, notamment avec le hashtag 0enlève. Le Galaxy S8 est-il étanche à l'eau? Oui, allô il est IP68. Alors là, vous dites rien là quand il sort des blagues comme ça. Attends, moi, étanche je sors allô. Gérard Depardieu, je me fais tuer. Étanche et allô. Là, il fait allô comme ça et vous dites rien. Non, mais c'est étanche pas allô pour un téléphone, c'est bien quand même. Pourquoi? Ah bah oui, mais allô. C'est... Oui, voilà. on a compris. On passe à la suivante. Oh mon Dieu, c'est moment gênant, je vous jure. Oh là 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 là. On va se retrouver sur le malaise. Oui, S7, S8, même combat. On passe, on passe, on passe. Attends. Ouais. Bon, rapidement, oui, IP68, il est étanche à l'eau, ça veut dire vous pouvez le faire tomber dans de l'eau douce, style dans le lavabo, dans le bain, Je suis sur Wikipédia, les amis. Oula. Et Wikipédia, ça rigole pas hein, concernant les IP. IP68. C'est quoi, donc, c'est le 6, le premier chiffre, c'est donc il est résistant au solide. Oui, à la poussière. Donc, c'est la poussière. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire tomber sur la plage. Le deuxième chiffre, c'est l'eau. Et donc, le 8, ça va jusqu'à 9K, en fait. Ouais. Par exemple, l'iPhone 7, lui, est IP67. Il est juste en dessous, donc il est moins étanche. Il est étanche au lait, mais pas au café, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous pouvez le plonger dans un... Par exemple, dans une piscine de 1 mètre pendant 30 minutes en IP68. On l'avait testé sur le S7 hein, d'ailleurs. On l'a balancé dans une piscine municipale et puis il était nickel. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien, ça permet de sauver des smartphones de temps en temps quand ça tombe dans l'eau. Alors après, l'eau de mer, c'est autre chose. Hein. Il n'est pas forcément... Même l'eau de piscine, ça peut être compliqué. Déjà, l'eau de piscine et l'eau chlorée, c'est pas terrible. IP68, c'est vraiment de l'eau douce. Très bien. Voilà, on nous parle du verre aussi. Est-ce que le verre est particulier? Est-ce qu'il est incassable? Est-ce que les marques de doigts se voient? Alors ça, je vous dis tout de suite, les marques de doigts. Clairement. Oui. Ouais. Malheureusement, pas plus que sur d'autres, mais non, mais bon, forcément, incassable, rien n'est incassable. Incassable, non. Mais renforcé, on va dire. Il est protégé, je crois, Gorilla Glass 5. Voilà, donc c'est énorme. Est-ce que j'ai lu? Bon, après, donc c'est la dernière génération de verre. Donc a priori relativement résistant. Ouais, bon, mais enfin après l'info qu'on n'a pas aussi, c'est comme pas de miracle, oui, mais comme c'est des écrans qui sont désormais incurvés, pour les protéger c'est plus compliqué avec les petites protections d'écran. Et j'aimerais bien savoir si on le casse, combien ça coûte de le remplacer. À mon avis, c'est pas donné. Ouais. Je vous propose dans un instant de parler du prix et surtout de comparer un petit peu au Galaxy S7 pour savoir si on a intérêt à choisir plutôt le S8 ou le S7. Oui. Hein, en termes de rapport qualité-prix, on va voir ça avec Stéphanie. Mais juste avant la question Orange, peut-être, on fait un petit point. Oui, la question 01net Orange. Êtes-vous intéressé par le Galaxy S8? Ça remonte. Oui, à 66%. Oui, en fait, j'allais dire le nombre, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ce téléphone. C'est peut-être parce que, voilà, on vous le montre. Après, bon, on pourra peut-être, nous, en discuter à la fin et dire est-ce que c'est véritablement le téléphone de cette année 2017? Est-ce qu'il ne faut pas attendre peut-être l'arrivée d'Apple qui va sortir sans aucun doute quelque chose de monstrueux? Il y a le Pixel 2 qui va arriver aussi, qui risque d'être aussi, de mettre la barre très très haute. Bref. Moi, je pense qu'on devrait les obliger à sortir leur smartphone tous en même temps. Oui. Pour qu'on puisse vraiment les comparer. Non, mais parce que là, ça devient difficile. On compare avec l'iPhone, mais il a déjà 6 mois ou un an. Exactement. Non, il faudra le comparer. Effectivement, il faudra le comparer à l'iPhone 8, au prochain iPhone. Bah oui, mais l'iPhone 8, il y sera arrivé après. Donc celui-là sera plus vieux. Enfin, on s'en sort pas. Mais bon. Il sera déjà has-been. C'est dingue. Et oui, c'est fou. Bon, alors ce prix. Donc, il est très cher. Ouais. Oui. On rappelle les tarifs. On rappelle les prix. Alors, le S8, c'est 809 €. Et le S8 Plus, c'est 909 €. Donc, effectivement, c'est cher. C'est par rapport à l'année dernière. En fait, si on compare au S7, c'est plus cher parce que l'année dernière, le S7, il était sorti. Il a été lancé à 699 €. Donc en gros, 100 € de moins. Après, on va dire que le discours officiel, c'est de dire que tu sais quoi? Juste avant que tu expliques, on a le discours officiel de Guillaume Berlemont, qui est donc le directeur marketing de Samsung France, et qui nous explique, qui justifie en fait ces prix assez élevés. Finalement, le prix, il est pas très différent de l'année dernière. L'année dernière, le S7 Edge, c'était 799 €, soit 800 € d'aujourd'hui. Il y a une petite inflation, notamment due à la taxe copie privée, parce qu'aujourd'hui, il embarque 64 Go de mémoire contre 32 l'année dernière, d'où cette petite inflation de 10 €. C'est une nouvelle entrée là dans la gamme. Le S8 est l'équivalent du Galaxy S7
Edge l'année dernière. Et effectivement, le S8 Plus, c'est une proposition encore différente. 6 pouces 2. On est au-delà des tailles et des normes du smartphone qu'on connaît. Et avec ce nouvel écran Infinity, on est surtout sur un nouveau form factor. Et ça, pas dire que ça n'a pas de prix. Ça en a un apparemment. On verra si nos utilisateurs sont réceptifs. Voilà. Alors juste pour rajouter un truc sur le prix, là ce sont les prix qu'on va trouver dans les magasins, mais avec les opérateurs, avec les semaines qui vont s'écouler, le prix de ce smartphone va baisser, ça c'est certain. Hein. Et puis alors là, je suis persuadé que dès que l'Apple sortira son iPhone 8, là d'un coup il sera beaucoup moins cher, le Galaxy S8, j'en suis persuadé. Oui, bah, il ne sera pas bradé, c'est sûr. Non, hein, pas bradé, mais sûr. Effectivement, Samsung a tendance à baisser ses prix, je ne sais pas, au bout de 6 mois... 6-8 mois, ça baisse d'une petite cinquantaine d'euros. Mais prenais l'exemple du Galaxy S7 Edge. Moi, j'ai un pote qui l'a acheté sur eBay, donc voilà, mais sur une boutique eBay tout à fait respectable, il a payé 350 €. Et c'était en décembre. Ouais, alors que c'était un téléphone qui était au départ à plus de 700 €. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, pendant les périodes de fête, le S7, on le trouvait chez des revendeur à 450 €, etc. Donc à des prix ultra compétitifs. Donc si on devait choisir aujourd'hui, bon, on va pas parler des prix cassés qu'on peut trouver ici ou là, mais à prix officiel, les questions se posent. Est-ce que ça vaut le coup de passer au S8 ou alors est-ce que le S7 peut faire l'affaire? Je pense que le S8, c'est l'attrait de la nouveauté et puis d'un design vraiment un peu hors norme. Alors ça, c'est ça compte. Et ça oui, bien compte. Sûr. Mais à côté de ça, le Galaxy S7, c'est désormais un appareil prix constructeur à 599 €, mais qu'on trouve sur des boutiques connues et reconnues à moins de 550, voire à moins de 500 si on n'a pas peur d'aller acheter chez des vendeurs moins connus. Donc ça fait quand même 300 € de différence et ça compte. Et Niveau spec, Stéphanie, est-ce qu'il y a un gap énorme entre les deux? Il n'y a pas un gap énorme. Tout se joue sur le Galaxy S8, vraiment sur cet écran assez incroyable. Voilà, qu'on n'a pas sur le Galaxy S7. Mais le S7, ça reste quand même un beau produit. Et à l'heure d'aujourd'hui, en termes de performance, on sait qu'il est numéro 1 de notre top 10. Mmh. On n'a pas encore testé le S8. Non, attendons. Attendons de voir. Pour rebondir à ce que tu dis, Stéphanie, je ne suis pas tout à fait d'accord concernant les specs techniques. Certes, ce sont deux téléphones très puissants, mais malgré tout, le Bluetooth 5.0, qui est quand même une rupture. Oui, mais on l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Non, mais aujourd'hui, ça sert à rien. Jérôme, ça vient de sortir. Mais dans un an ou deux, tu seras bien content d'avoir un téléphone qui soit compatible Bluetooth 5.0 pour en profiter. Le gigabit 4G, c'est quelque chose qui va aller très vite. Oui, mais ça va aller très vite. Dans un an ou deux, tu auras 500, 600, 700 mégabits seconde sur la 4G. Ouais, le Wi-Fi, 1 gigabit aussi. Mais à côté donc, de ça, malgré tout, tu te retrouves avec un téléphone, certes, qui a plein de techno, mais qui ne sont pas encore vraiment installé. Oui, mais qu'est-ce que tu veux en priorité? Une bonne batterie, un bon appareil photo? Mais je pense qu'il faut être honnête. Il faut être honnête en le disant. C'est-à-dire qu'en achetant le Galaxy S8 aujourd'hui, vous achetez aussi, vous faites un pari sur l'avenir avec un téléphone qui sera au top encore pendant un an ou deux. Tout à fait. Stéphanie. Mais dans un an ou deux, on aura envie d'acheter le Galaxy S9. Et donc, il y a des nouveautés comme le Bluetooth 5.0 dont on n'a absolument pas besoin pour l'instant, dont on aura besoin peut-être dans un an ou deux, mais on sera déjà passé au S9. Donc c'est pour ça. Moi, je dis, attendons quelques semaines. Il peut y avoir en plus des promos Samsung. Ça vaut le coup d'attendre un petit peu, de voir les résultats. Il y a de toutes les chances qu'il ait des performances aussi bonnes que le S7. Plus, je sais pas, parce qu'avec cette histoire de batterie qui n'a pas bougé, sur la batterie, mais sur la photo, il sera aussi bon, sur la qualité d'affichage, on n'en parle pas, hein, c'est clair. Il y a quand même toutes les chances qu'il soit un cran au-dessus. Il va gagner en puissance quand même. Hein. Ça ne va pas être fulgurant forcément. On parle de quoi? 20% puissance graphique et 10%. Alors c'est 10 et 23, je crois. 10% de puissance et 23. C'est ça qui fallait. Non, ça ne fera pas ouvrir les applis. Je vais jouer les rabat-joie, mais si on n'est pas joueur, et même si on est joueur, je ne suis pas persuadée que le gain soit vraiment indispensable. Aujourd'hui, le Galaxy S7 est un très bon appareil pour jouer. On sait que beaucoup de puissance, c'est moins d'autonomie. On va attendre les résultats des tests du labo. Attendons. Pour en savoir mais quoi plus. Qu'il en soit, c'est un beau smartphone et on sait que de toute façon, les gens sont prêts à payer très cher pour avoir le smartphone de leur rêve. Ah bah c'est pas un smartphone qui passe inaperçu, ça. Voilà. Tu le poses sur la table. Ah, c'est un bel objet, c'est presque un objet d'art. Ça fera jaser dans les chaumières. Dans les dîners en ville, ce sera du meilleur. C'est clair. Vous pouvez le louer. Vous avez une sortie, une fête, vous le louez pour 48 heures, et vous le rendez le lendemain. Et puis voilà.
de faire ça. Oui, comme les costumes, les smokings. Je suis sûr que ça existe. Location de smartphones de luxe. Non, mais oui, non, pour revenir à la justification du prix, effectivement, si on regarde le côté technique, le S7, aujourd'hui, c'est peut-être un meilleur investissement. Par contre, si on est quand même un peu geek, qu'on est amateur et qu'on a les moyens et qu'on peut se le permettre, l'écran, parce que sur la prise en main, c'est quand même important de le souligner. À prendre en main, c'est quand même assez spécial. Oui, on a plein d'internautes qui posent la question. Ça fait quoi de prendre en main ce Galaxy S8? C'est ça qui est important. En fait, pour être très sincère, au moment de le découvrir, j'appréhendais, je me dis, bon, je sais tout sur ce téléphone. Est-ce que je vais être surpris? Mais quand on le prend en main, c'est impressionnant. Surtout sur le S8 Plus que sur le S8 Plus, c'est quand même... C'est une jolie phrase. Non, mais c'est vrai. C'est d'avoir une sensation, il est léger, il fait 150 grammes, il est très fin, il est l'écran... enfin. Honnêtement, à prendre en main, c'est un bonheur, voilà, c'est tout. Ouais. Donc c'est aussi ce que vend Samsung et c'est ce qui justifie les 100 euros supplémentaires, même si je compare à la sortie du S7 l'année dernière. C'est ça les 100 euros supplémentaires, c'est cette prise en main et autre chose. Bon, de toute façon, cette question sera impossible à trancher. Non, c'est non, sûr. Non mais juste un truc, c'est ça qui est intéressant. C'est quand même assez perturbant, je trouve, d'avoir un écran aussi étroit. Quand on n'a pas l'habitude... Et t'as pas vu le S9, il est comme ça. Non, mais c'est vrai, le téléphone est très long. Oui. Il est très long parce que justement l'écran est assez étroit. Ouais. C'est quand même une petite révolution. Coup, hein. Bah ce qui est amusant, c'est quand tu le mets à l'horizontale, on le voit là, pour les vidéos sont légèrement resizées et elles occupent, sauf que je ne sais pas ce que c'est que cette vidéo, parce qu'il y a un bouton qui ne devrait pas exister. C'était la démo, c'était pour montrer les évolutions qu'il y avait eu entre toutes les générations de smartphones. Oui, mais justement, et ce format, du coup, là, c'est l'une des interrogations, c'est la compatibilité des vidéos et des applis et des jeux. Quand on installe des jeux, est-ce qu'ils vont... Pour le moment, ils ne remplissent pas tout l'écran. Pour le moment, les jeux, il y a des bandes noires au-dessus. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a un boulot à faire du côté des éditeurs pour rendre aussi leurs applis compatibles. Ça, c'est une info intéressante. Voilà. On va arrêter là-dessus, malgré tout, parce que sinon, on en parlerait toute la soirée. Non, peut-être un dernier point très rapide. Non, mais il faut le signaler, un petit bémol, c'est aussi ce qui justifie ça, c'est Bixby, on n'en a pas du tout parlé. Oui, on n'en a pas parlé. C'est important, je trouve, c'est l'intelligence artificielle de Samsung. Alors, c'est important, oui, parce que c'est censé être le concurrent de Siri. Il y a des petites options différentes, un peu à la Google Now. Vidéo à découvrir sur le sujet sur Zeronet TV, sur Bixby, on a fait une vidéo spéciale là-dessus. Et je le mentionne parce qu'il a quand même un bouton physique dédié sur la tranche, ils ont mis un bouton Bixby. Et le petit bémol, c'est que pour le moment, comme Google Assistant, c'est pas disponible en français. Il va falloir attendre jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc Bixby, ça pourra apporter quelque chose aussi en plus. Absolument. Mais pour le moment, il y a aussi Samsung pas. Connect, on aurait pu en parler. Ouais, c'est un peu le home kit de Samsung pour la maison connectée. François, tu l'as dit, c'est aussi assez prometteur, mais à découvrir ultérieurement. Bon, alors déjà, Raph, il faut pas que tu mettes 4x0 comme code pour ce téléphone parce que j'ai trouvé tout de suite. Hein. Voilà, il met 4x0 comme code pour mais le verrouiller. Mais c'est un téléphone de test. Évidemment, c'est pas bien. Et puis le verrouiller. C'est dommage. Alors, je sais pas si on peut faire un. Non, c'est pas. Ah, non, on peut pas. Non, on peut pas. Non, parce que c'est Chris. C'est notre ami Christopher qui est déguisé en. Je sais pas, en petit mouton. Christopher, ça. Ouais, c'est Chris. J'ai l'impression, c'est Chris. On va tweeter la photo. En tout cas, j'ai l'impression que c'est lui. Ou toi, peut-être, non? Je sais pas j'en ai fait une aussi, mais si c'est Christopher, vous pouvez la passer. Voilà, non, mais on ne le voit pas là, mais c'est pas grave, il est très joli, déguisé en mouton. Spécial dédicace. Noémie est occupée, je ne sais pas ce qu'elle fait. Petit dossier. Je crois qu'elle passe un coup de fil à une copine ou un truc comme ça. Voilà, ce live est terminé, les amis. Oui, c'est fini. Trois quarts d'heure de live spécial Galaxy S8. Je pense que ça valait le coup parce que c'est un téléphone qui est très attendu. On le voit, on a des centaines de questions. Désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. C'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, on essaie de toucher un peu à tous les sujets sensibles concernant ce téléphone. De toute façon, il y a déjà plein de vidéos à découvrir. Il y aura encore les nouveaux articles suite au test au niveau du labo. Donc, on n'a pas fini d'en parler. On a une prise en main aussi qu'on a publiée. Voilà, une seule adresse, www.01net.com pour tout savoir sur ce Galaxy S8. Oui. On remercie nos amis Noémie Lefebvre-Marek qui est bien là, qui a préparé ce 01 Live et Pierre Thiolin qui l'a réalisé. Voilà, Pierre qui va bien dormir cette nuit, je pense. Et on se retrouve très vite. Merci à Stéphanie Molinier, à Raphaël Grably. On aura bien sûr le test complet qui va arriver très vite de ce Galaxy S8 et plein de petites vidéos aussi pour parler de toutes ces fonctionnalités. Portez-vous bien, à bientôt. À très vite.